Bonjour à tout un chacun qui est présent ici ce matin, comme à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et que son nom soit béni en ce lieu. Amen. Alors voilà, on est content de se retrouver pour réfléchir ensemble sur la parole de Dieu. Ensemble. C'est quelque chose qui caractérise l'Église du Seigneur. Le Seigneur nous a placés ensemble pour nous faire progresser. Progresser dans notre vie chrétienne, progresser dans notre connaissance. Il nous a placés ensemble. Il nous dit que nous sommes des pierres vivantes d'une construction spirituelle qui s'appelle l'Église. Alors le titre de la méditation de ce matin sera « Mon service ». Pour Christ. Alors il se trouve que notre pasteur Joël, il a déjà traité de ce sujet mardi dernier lors de la réunion de prière et d'édification. Alors c'était pas du tout concerté. Moi aussi j'avais à cœur d'évoquer cette thématique. Et donc la pédagogie étant l'art de la répétition, n'est-ce pas? Eh bien je vais donc enfoncer le clou, comme on dit, demandant aux quelques vaillants guerriers qui étaient présents mardi, de ne pas tenir rigueur d'éventuelles redites. Alors traiter de ce thème du service pourra peut-être vous paraître un peu décalé, voire provocateur, alors que nous sommes encore en pleine période traditionnelle de vacances. Mais rassurez-vous, en tout cas ce matin, il ne s'agira pas de contester le bien fondé des vacances. Et c'est un ex-enseignant qui vous parle, donc un expert en la matière. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui a établi l'alternance travail-repos. On va voir ça dans Genèse 2, les versets 1 et 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. En six jours, Dieu a créé le monde, et le septième, eh bien, il a cessé de travailler et il s'est reposé de toute son œuvre. Alors cette année, frères et sœurs, vous-même, certainement, vous avez consenti des efforts dans de nombreux domaines, domaine familial, domaine professionnel, j'en passe, avec des joies, on l'espère, mais aussi des peines, des moments douloureux, peut-être avec de la pression psychique, mais aussi peut-être des efforts depuis votre place dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui va nous intéresser ce matin. Parce qu'en effet, la parole de Dieu, frères et sœurs, eh bien, invite le chrétien, non pas à s'installer plus ou moins confortablement sur sa chaise, pour vivre égocentriquement son salut. Mais au contraire, la parole de Dieu, elle exhorte le chrétien à se mobiliser, non pas pour le pasteur, même pas pour l'Église, mais pour Christ. Amen. Romains 12, verset 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur ». Alors quelqu'un a donné cette définition du zèle biblique. Il a dit, c'est l'énergie ardente déployée dans le travail et le dévouement pour le Seigneur. Frères et sœurs, le désir du Seigneur, soyons-en convaincus, c'est de voir de l'ardeur dans l'engagement pratique de ceux qu'il s'est acquis pour lui-même à la croix du calvaire. De l'ardeur. Être fervent d'esprit, ça c'est une expression qui désigne une personne qui est animée d'un grand enthousiasme pour une activité quelconque. C'est quelqu'un de passionné. Et puis, servir, nous dit le dictionnaire, c'est s'acquitter de tâches envers quelqu'un à qui on obéit. Voilà trois termes ou expressions qui nous laissent à comprendre qu'on peut être fatigué aussi de par notre engagement dans le service, dans l'œuvre du Seigneur. Et si tel est le cas,
Alors, comme à ses premiers disciples, eh bien, Jésus nous dit ce matin, Marc 6, verset 31, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Frères et sœurs, il n'est pas honteux d'être fatigué dans notre service pour Dieu. Et le Seigneur, dans ce verset, nous enseigne là que pour accomplir l'œuvre de Dieu efficacement, eh bien, il est nécessaire d'avoir des périodes de repos. Et oui, le Seigneur, frères et sœurs, n'attend pas que du rendement de ses enfants. Il les veut aussi en bonne santé. Et en ce qui nous concerne, eh bien, il faut savoir récupérer pour être efficace. Et ainsi, en vacances, eh bien, nous serons renouvelés et nous serons prêts à être utilisés par Dieu dès notre retour. Mais les vacances, ce n'est pas pour autant pendant une semaine ou deux ou trois, on oublie tout, on n'est plus chrétien. Alors, on ne va pas développer cet aspect des choses ce matin, parce que ça a déjà été fait de nombreuses fois. C'est un classique de la prédication estivale. Mais on va plutôt ce matin considérer que ce temps de mise à l'écart que sont les vacances, eh bien, doit aussi nous permettre de réfléchir sur notre rôle dans l'Église au service de Christ. C'est un questionnement qui est important. Parce qu'en fonction des réponses que nous allons y apporter les uns les autres, eh bien, il va y avoir une incidence sur la qualité de notre vie avec le Seigneur. Lisons ce que nous dit le Jean 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Quel verset ! « Oui Seigneur, je veux te connaître davantage, car je veux te ressembler davantage. » C'est une aspiration à laquelle tout frère, toute sœur peut souscrire, n'est-ce pas ? Et la première des choses pour cela, eh bien, c'est déjà d'être convaincu d'avoir une place dans l'organigramme du Seigneur. Mais la parole ne nous laisse guère de doute sur ce plan-là. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le verset est sans ambiguïté, n'est-ce pas ? Ça signifie que chacun des chrétiens doit prendre sa part, frères et sœurs, dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce que confirme 2 Timothée 1, verset 9, qui nous dit « Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. » Alors, pour le terme vocation, il faut faire un petit peu attention au glissement de sens. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que de nos jours, on désigne par vocation un penchant naturel pour une activité particulière. Par exemple, on va dire « son métier est pour lui une véritable vocation ». Ou bien « cet artiste a la vocation ». C'est-à-dire en fait qu'il a des compétences, il a du talent, il a de la passion dans son domaine d'activité. Mais il s'agit là de quelque chose qui a à voir avec un épanouissement de la personne, n'est-ce pas ? Or, étymologiquement, la racine latine du mot « vocation » signifie « appeler » ou « faire venir ». Comme dans Hébreux 11 au verset 8 qui dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Dans le contexte des deux derniers versets qu'on vient de citer, Timothée et Hébreux, il est clair que donc la vocation, eh bien, c'est un appel. Et quel appel, puisque dans le cas que nous avons lu, il s'agit de l'appel de Dieu. Donc Dieu appelle ses enfants à le suivre. Dieu appelle ses enfants à le suivre. Et la vocation divine, c'est-à-dire l'appel divin, frères et sœurs, c'est d'abord un appel au salut. Alors on est tous à l'aise avec ça, j'imagine. Merci Seigneur pour ta grâce. On est content
d'avoir été racheté, d'avoir été pardonné de notre péché, d'avoir reçu une vie nouvelle en nous, d'être né de nouveau, hein, et puis pour nous avancer sur le chemin de la sanctification. Merci Seigneur. Mais l'appel divin, la vocation divine, c'est aussi un appel au service. Et ça, c'est une perspective qui est moins populaire ou peut-être moins bien comprise. Pourtant, c'est clairement le modèle de Jésus. Modèle de Jésus auquel nous avons pour objectif, me semble-t-il, de ressembler. Hein, on l'a déjà dit, de lui ressembler chaque jour davantage. C'est le mécanisme, hein, le processus de la sanctification. Nous voulons ressembler à Jésus. Or, Marc 10, verset 45 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Philippiens 2, 5 à 7 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. On retrouve aussi cette idée de cette notion de service, en fait, dans l'idée que Paul, l'apôtre Paul, a de son ministère. 1 Corinthiens 3, verset 9, nous dit, c'est Paul qui parle, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » 1 Corinthiens 4, verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Est-ce qu'on peut être plus explicite que ça? Nous sommes, frères et sœurs, en tant que rachetés de Christ, des serviteurs du Christ. Alors on pourrait aller dans l'analyse de la racine du mot, etc., dans le grec, hein, doulos, on sait que ça veut dire esclave, bon, on ne va pas aller dans cette direction ce matin, serviteur du Christ. Et cette chose-là, on le traduit habituellement dans nos églises par « nous sommes sauvés pour servir hein, ». C'est un slogan un peu évangélique. Hein. « Nous sommes sauvés pour servir ». Et l'Église, frères et sœurs, c'est-à-dire la maison de Dieu, l'Église locale, la construction spirituelle, n'est-ce pas, et non pas la construction matérielle, hein, le rassemblement du peuple, où certains préfèrent le mot assemblage, rassemblement peut-être suscitant une idée de moins d'ordre, hein, assemblage comme des pierres qui sont dans un mur, hein, c'est l'image de l'Église, ce rassemblement, cet assemblage du peuple, constitué par l'appel de Dieu, eh bien, c'est un moyen de servir. C'est-à-dire que l'Église, la maison de Dieu, la construction spirituelle, n'est-ce pas, ça n'a rien à voir avec le bâtiment, bien sûr. L'Église, elle ne peut jamais être comprise comme une sorte de club dont les membres seraient exclusivement au bénéfice d'un certain nombre de prestations, comme dans la vie, dans le monde. Communion fraternelle, enseignement de la parole de Dieu, la compassion, la consolation, le culte tous les dimanches matins, les réunions en semaine, etc., etc. Une telle conception qui placerait le chrétien uniquement en position de consommateur, c'est-à-dire, pour le formuler autrement, le chrétien qui vient pour être servi, en fait, pour qu'on réponde uniquement à ses besoins, eh bien, cela ne serait pas en conformité avec l'enseignement de la parole de Dieu. Matthieu 20, verset 28, nous dit encore, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Frères et sœurs, le terme « chrétien » signifie « petit Christ ». Et ce terme, il est apparu à l'église d'Antioche hein, et il a désigné au départ les chrétiens de cette église d'Antioche. C'était ceux qui les regardaient, qui les voyaient vivre, qui les appelaient des chrétiens, des petits Christ. Hein, il les désignait comme ça parce qu'ils reflétaient dans leur vie quotidienne et de manière évidente aux yeux de tous le caractère de Christ. Frères et sœurs, quel challenge pour nous.
les chrétiens, les petits Christ. Est-ce que nous recherchons le caractère de Christ pour nos vies réellement? Ou est-ce que c'est de l'ordre de la parole? Ou, et je vais citer le pasteur Joël, où sommes-nous des chrétiens du dimanche qui viennent assister à un culte ce jour-là? Assister à un culte, c'est vraiment pas la bonne expression. C'est participer à un culte. Hein. On ne vient pas assister à un culte. Si on vient dans cette disposition d'esprit-là, je crois qu'on se trompe. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors je recite le pasteur Joël. Bien sûr que tout ce qui vient d'être mentionné précédemment, ça fait partie de ce qu'on peut recevoir dans une église, évidemment. Mais il n'en est pas moins vrai que les chrétiens sont appelés à être des acteurs de leur vie chrétienne. Et pour rester dans la terminologie du cinéma, on peut dire qu'il n'est pas prévu de figurant dans l'église de Jésus-Christ. Pas de figurant dans l'église de Jésus-Christ. Et s'il y avait encore quelques doutes, 1 Thessaloniciens 1 au verset 9 va achever de les balayer. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors jusqu'à ce moment, on a été plutôt dans l'exhortation au service de Dieu. Et maintenant, on va essayer de s'en faire peut-être une représentation, peut-être d'en tirer un cadre, quelques jalons qui vont nous servir pour notre engagement personnel et à travers le modèle d'un personnage de la Bible. Et quel personnage? Abraham. Alors, on va lire quelques versets, ça va être peut-être un peu long, mais je crois que c'est nécessaire de les lire. Dans Genèse 18, versets 1 à 10, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc on parle d'Abraham. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Bon, on va s'arrêter là. Donc, dans ce petit passage, on voit qu'il y a trois personnages qui viennent rendre visite à Abraham, des visiteurs qu'on ne rencontre pas tous les jours, hein, qu'on ne reçoit pas tous les jours. Au verset 1, il est dit, « L'Éternel lui apparut. » C'est Jésus-Christ, en fait. Hein. C'est Jésus-Christ venu avant son incarnation. Ça s'appelle une théophanie. Hein. Jésus-Christ accompagné de deux autres personnes, non identifiées à l'instant, qui se révéleront être des anges au chapitre suivant. En tout cas, Abraham, lui, n'a pas de doute sur la personnalité du premier cité. Et il se définit, lui, Abraham, en tant que serviteur, serviteur de Dieu. Au verset 3, il dit, « Seigneur, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Alors on va voir une caractéristique de la nature du service pour Dieu d'Abraham. Il y en a plusieurs hein, qu'on pourrait tirer de ces versets. Et cette caractéristique, c'est donner de son meilleur pour Dieu. Donner de son meilleur pour Dieu. Et ça, il va falloir le rapporter à nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui sommes également serviteurs, comme on l'a vu précédemment, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, afin d'en tirer un enseignement pour notre engagement personnel. Alors on voit qu'Abraham, il est assis à l'entrée de sa tente.
Et ça, ça peut sembler peut-être un peu paradoxal pour quelqu'un que l'on veut prendre comme exemple pour le service de Dieu. Il est assis devant l'entrée de sa tente. Hein? Pendant la chaleur du jour, en plus. Alors, on imagine dans ces contrées, n'est-ce pas, ce que peut être la chaleur du jour dans cette région du monde. Peut-être qu'on peut imaginer qu'il était dans une certaine léthargie, notre ami Abraham. Parce qu'à cette époque-là, il avait 99 ans. 99 ans. Mais non. Hein, le texte qu'on a lu nous montre que malgré ces conditions-là, son âge avancé, la température extérieure, etc., etc., eh bien, il reste disponible, malgré tout ça. Il est disponible et il montre qu'il veut donner le meilleur de lui-même pour Dieu. Premièrement, le texte nous dit d'abord qu'il réagit promptement, c'est-à-dire qu'il ne tarde pas. Nous, nous sommes souvent en train de raisonner, en nous disant que bon, la prochaine fois, ben, on sera mieux préparé pour faire ce qui nous paraît pas possible aujourd'hui. On verra. Hein, on a le temps. Mais Abraham, il se lève tout de suite, il est disponible. Alors, ce qu'il faut retirer comme enseignement, c'est que, en fait, attention à l'habitude de nous trouver des excuses. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excuses, hein. Bien sûr qu'il y a des excuses, mais parfois, les excuses sont tellement nombreuses que cela nous mène à repousser éternellement, en fait, le moment d'obéir à ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Quand Dieu nous demande quelque chose aujourd'hui, il vaut mieux répondre aujourd'hui, puisque c'est sa demande. Hein, et non pas reculer et peut-être ne jamais accéder à ce que le Seigneur nous demande. Il nous faut répondre résolument à l'appel de Dieu. Alors ne nous contentons pas, frères et sœurs, d'avoir des intentions d'être disponibles demain, la semaine prochaine, une autre fois. Et surtout au moment qui nous conviendra. Ah ouais, parce que là, écoute, Seigneur, tu as vu, hein, je suis invité chez les amis, là. Oh, tu ne vais pas venir à l'église pour... hein, quand même. Ensuite, ce qu'on peut retirer de ce texte, c'est que le service d'Abraham, il est abondant. Au verset 6, il est dit qu'Abraham réclame 3 mesures de fleurs de farine. Ce n'est pas de la farine ordinaire. La fleur de farine, bon, c'est une image de la sainteté, de la pureté, mais c'est surtout, c'est surtout de la farine de qualité. On dirait c'est de la marque, hein, cette farine-là, c'est de la marque. Au verset 7, il est dit qu'Abraham courut à son troupeau pour prendre un veau tendre et bon. Et au verset 8, il nous est dit, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Abraham donne de son meilleur. Et nous, frères et sœurs, qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? Des restes peut-être? L'argent qui reste? L'énergie qui nous reste? Le temps qui nous reste? 1 Chronique 21, verset 24, c'est David qui parle, nous dit « Je n'offrirai point à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. » Parce que, frères et sœurs, un service qui ne coûte rien, qui ne me coûte rien, eh bien, n'accomplit rien. Hein? Alors, il faut se reporter à ce qui se passait dans 1 Chronique. Là, hein? Il y avait l'histoire de l'Holocauste qui devait avoir lieu, etc. Une personne propose à David de lui offrir tout ce qu'il fallait pour l'Holocauste, mais David refuse. Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel un Holocauste qui ne me coûte rien. Donc il va lui payer ce qu'il devait pour faire l'Holocauste. Et la réponse de Dieu va être, bien sûr, immédiate. Le feu va descendre. Hein. Voilà, on peut se reporter à ce passage de l'Ancien Testament. Donc notre service, frères et sœurs, il est pour Dieu et je dois donner mon meilleur pour Dieu. Au travers de ce service, en conformité avec la parole de Dieu. Parce que le meilleur que je vais donner, il faut que ce soit en conformité avec la parole de Dieu. Hein. J'apporte une offrande pour le Seigneur. Jésus construit son église et je l'aide
en lui donnant de mon meilleur. Alors comment peut-on faire concrètement maintenant ? Eh bien, il y a une quantité de tâches qu'on peut accomplir pour Christ. Alors l'erreur, ça serait de considérer le service chrétien uniquement sous l'angle du ministère pastoral, du ministère d'anciens, de missionnaires, etc., etc., etc. Parce que ce sont des formes de service qui sont très visibles, mais tous les chrétiens ne sont pas appelés à entrer dans ces services particuliers, on va dire de première ligne, mais sans échelle de valeur. Hein. Et parce que tout le monde n'est pas appelé à entrer dans ce type de service, ça pourrait être démotivant, hein, de considérer que ce n'est que ça, le service pour Dieu. Mais au contraire, frères et sœurs, servir Christ, ben ça recouvre tout ce que nous pouvons faire pour participer à l'œuvre de Dieu, dans quelque domaine que ce soit. Je cite rapidement l'administration de l'association cultuelle, l'administration de l'association culturelle, l'équipe de louanges, la sono, la technique, la projection, le témoignage, tout simplement, le stand du marché, le ménage, l'entretien, l'accueil, les espaces verts, visite aux frères et sœurs qui sont isolés, la librairie, le service de Sainte-Seine, l'aide aux prochains, l'intercession, ceux qui participent à la prédication, ceux qui participent à la logistique lorsqu'il y a des événements, des baptêmes, des choses comme ça, qui sont là pour mettre en place l'événementiel, hein, les buffets, etc. L'aide aux prochains, l'écoute, les paroles de réconfort à donner, l'intercession, l'encadrement des différents groupes qui sont constitués dans l'église, la garderie aux aînés, l'éventail, frères et sœurs, il est large, l'exercice des dons spirituels. La liste n'est pas limitative. Et il n'y a pas, frères et sœurs, de laisser pour compte pour le Seigneur. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de petit strapontin dans l'Église. Par contre, il y a une place pour chacun en fonction de son appel. Peut-être que nous serions capables d'exercer d'autres ministères si Dieu l'avait voulu ainsi. Mais c'est lui qui décide de nous placer à tel endroit précis pour exercer le service auquel il nous appelle, parce que nous appartenons à un corps. Et un corps, il va fonctionner avec des membres qui fonctionnent en harmonie. Hein. Sinon, le corps, eh bien, il va mal. Et être sauvé, frères et sœurs, c'est être membre d'un membre du corps de Christ qui est l'Église. Construction spirituelle. Romains 12, versets 4 et 5, nous dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Tous membres les uns des autres, frères et sœurs. Un corps ne peut fonctionner correctement que si chacun de ses membres est à la bonne place et en bonne santé. Alors attention, l'activisme, hein, on en revient en vacances. Mais sachons que Dieu a un plan pour chacun. Mais il a aussi un plan pour l'ensemble du corps. Lequel plan ne pourra se réaliser tant que nous ne serons pas à la place que Dieu a prévue pour nous. Dieu appelle, mais pas seulement moi. Il appelle chacun de nous. Et tout ceci, frères et sœurs, eh bien, a besoin d'être reçu et d'être vécu par chacun dans l'obéissance à Christ. L'obéissance à Christ. Peut-être que j'aurais voulu faire ceci ou j'aurais voulu faire cela, mais il va s'avérer que ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi à cet instant. Colossiens 1, verset 18 nous dit « Il est la tête du corps de l'Église ». Et donc le corps, eh bien, il obéit à la tête. Alors, est-ce que nous sommes de ceux qui murmurent, de ceux qui critiquent, de ceux qui vont chercher la faille chez les autres ? Frères et sœurs, l'Église, c'est un corps vivant où chacun doit avoir sa part d'activité. Mais, quel que soit notre domaine, ce qui est important, c'est d'être à sa place selon la volonté de Dieu. Hein, j'insiste bien sur ce point-là. Être à sa place, ce n'est pas moi qui vais décider où est ma place, c'est le Seigneur qui va me montrer, qui va me dire, avec l'aide
des responsables, du pasteur, des anciens, etc. Parce que autant le Saint-Esprit me parle, autant il parle au pasteur et aux responsables. Hein. Il faut qu'il y ait une unité qui se révèle. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dans le corps, frères et sœurs, nous avons une place particulière. Et dans cette place, eh bien, nous sommes dépendants les uns des autres. C'est le principe du corps. Et être dépendants les uns des autres, ça veut dire, pour moi, que j'ai la responsabilité d'apporter à mon frère, à ma sœur, ce que Dieu m'a donné, de même que j'ai besoin du ministère que le Seigneur leur a confié. Et ainsi, le corps va fonctionner correctement. Alors, il y a différents types de services, on l'a vu, différents domaines d'intervention, avec différents types de services. Par exemple, il y a les services qu'on appelle universels. Service universel, ça désigne des tâches à accomplir dans l'Église que chaque chrétien peut accomplir sans avoir reçu une qualification particulière, un diplôme particulier ou une compétence particulière. Par exemple, je peux m'engager au ménage, je peux m'engager au service d'accueil, dans l'aide au prochain, je peux témoigner de ma foi sans avoir le don d'évangéliste, etc., etc. Les services universels. Il ne faut pas négliger ce type de service. Hein. Matthieu 25, versets 37 et verset 40 nous disent « Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire ?» Il n'y a pas besoin d'avoir une grande qualification pour donner à boire. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses-là à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Il n'y a aucune tâche qui soit négligeable dans l'Église du Seigneur. Tout est pris en compte par le Seigneur. Il saura, je recite encore Joël, il saura s'en souvenir lorsque nous serons avec lui dans le ciel. Par contre, il est certain que pour l'appel à une tâche spécifique, particulière, eh bien, évidemment, doivent correspondre certaines capacités, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient surnaturelles. Dans les capacités naturelles, par exemple, on va constater que certains sont naturellement doués pour la musique, naturellement doués pour le chant, d'autres le sont pour le bricolage. D'autres le sont pour les activités intellectuelles. Et toutes ces aptitudes-là, eh bien, sont très utiles pour le service dans l'Église du Seigneur. Et là aussi, elles ne doivent pas être négligées. Et puis, il y a les capacités surnaturelles, qu'on appelle les dons spirituels. Alors, il y a trois passages principaux dans le Nouveau Testament qui les listent. Alors, je vais les citer rapidement. C'est dans Éphésiens 4, 11 à 13. Il est parlé de ce qu'on appelle les ministères dons, donc les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, il est parlé de la parole de sagesse, la parole de connaissance, de la foi, du don des guérisons, d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Au verset 28, il est rajouté le don de secourir et celui de gouverner. Romains 12, 6 à 8, là on va le lire. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, frères et sœurs, la grâce qui nous a été accordée, on n'y est pour rien. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Toutes ces compétences-là, tous ces dons spirituels, on ne peut pas les obtenir par nos capacités intellectuelles sur les bancs d'une faculté de théologie, une école biblique. Il ne faut pas se tromper sur l'origine des dons, de ces dons-là, de ces dons spirituels. Ils sont donnés par le Saint-Esprit. C'est l'unique source. Et ce n'est certainement pas une toquade personnelle. Le don spirituel, frères et sœurs, c'est un équipement particulier que le Saint-Esprit donne selon sa grâce à chaque membre du corps de Christ. À chaque membre du corps de Christ.
Il donne à chacun selon son bon vouloir. 1 Corinthiens 12, verset 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Comme il veut. Et l'exhortation dans 1 Pierre 4, verset 10, eh bien, elle va nous inviter à mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Parce que chaque membre du corps est indispensable, frères et sœurs. Indispensable au bon fonctionnement et à la croissance du corps. Alors, en ce qui concerne les dons spirituels, il y a toujours une référence à l'édification du corps de Christ, à sa croissance. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Éphésiens 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les dons spirituels, frères et sœurs, ils doivent être mis au service du bien commun. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour découvrir nos dons si on ne les a pas découverts, hein? Éphésiens 4, verset 16 nous dit « C'est de lui, c'est-à-dire de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Chacun d'entre nous doit être relié à Christ, c'est la base, hein, totalement la base. Parce que c'est de lui que chacun des membres tire son accroissement. Donc si nous voulons grandir, si nous voulons progresser, si nous voulons avancer, eh bien nous devons être reliés à Christ. Et comment être reliés à Christ? Alors pas par une démarche mystique, hein, à la faveur de laquelle on pourrait s'éveiller à une réalité supérieure, etc. Mais par la prière. La prière, c'est un élément essentiel qui doit accompagner le processus de découverte de la volonté de Dieu dans nos vies. Par la prière. Hein, pour découvrir la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit ce matin. De découvrir la volonté de Dieu pour nos vies. Et c'est à travers la prière que nous allons pouvoir être attentifs à ce que veut nous dire le Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais l'appel que Dieu te lance à toi ce matin? Quelle est la place que le Seigneur t'a destinée dans son corps? Alors le Saint-Esprit, eh bien, il fait tout un travail en nous pour nous révéler cela. Et en même temps, pour paraphraser un certain président de la République, en même temps, la Bible nous exhorte à le désirer avec ardeur. Aspirer aux dons spirituels, aspirer aux dons les meilleurs. Évidemment, à tout cela se heurte notre nature charnelle. Un exemple pour illustrer cela, Moïse, grand personnage de la Bible s'il en est. Exode 3, verset 11, Moïse s'exprime et dit « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Exode 4, verset 1. Ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Exode 4, verset 10. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Exode 4, verset 13. Seigneur, envoie qui tu voudras, sous-entendu, surtout pas moi. Hein. Moïse, il fait preuve d'une mauvaise volonté évidente, à ce moment-là, ça n'a pas toujours été le cas, mais à ce moment-là, il n'avait pas le désir d'avancer. Frères et sœurs, est-ce qu'une telle attitude peut se retrouver chez le chrétien? Ne pas avoir le désir d'avancer? Eh bien oui, mais oui. On peut trouver ça chez celui qui attend passivement que tout se fasse pour lui. On a déjà vu ça. Oui. On peut trouver ça chez celui qui espère que Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour agir à sa place. Mais Jésus, il attend toujours de nous, en fait, un mouvement positif vers lui. Il a promis de nous donner du repos, mais il y a un préalable toutefois. Venez à moi. Je vais vous donner du repos, mais venez à moi.
et je vous donnerai du repos. Il aurait pu dire, ne bougez pas, attends, ne bouge pas, reste où tu es fatigué, attends, j'arrive. Non, il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il y a toujours une dynamique qui doit s'enclencher, dynamique dont nous sommes responsables. Je dois choisir de venir à lui. Le contre-exemple, c'est Bartimée, l'aveugle, qui malgré sa condition de non-voyant, eh bien, il s'est levé et il a couru vers Jésus qui l'appelait, non-voyant. Frères et sœurs, Jésus nous donne sa force par son esprit. Mais il faut le vouloir. Philippiens 4, verset 13 nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Frères et sœurs, Dieu donne le pouvoir de faire à celui qui en a le vouloir. Jésus, il fait toujours appel à la volonté de l'homme. Veux-tu être guéri ? Que veux-tu que je te fasse ? En conclusion, je dirais, on va lire le verset 21 de Matthieu 25. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors, certes, frères et sœurs, on ne sert pas Christ pour avoir des récompenses, mais parce que nous l'aimons. C'est ça la motivation. Mais il y aura quand même des récompenses. Amen. Alors, on peut se dire, bon, mais ok, ça c'est la vie chrétienne, hein, c'est chargé. Hein. Et quand on sera au ciel, tout sera terminé, hein? Eh bien non, ça ne sera pas terminé, parce que dans le ciel aussi, nous continuerons à servir notre Seigneur, à servir notre Dieu. Apocalypse 22, verset 3 dit, « Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Frères et sœurs, notre destinée de chrétien, il faut en être convaincu, c'est de servir Christ, ici et maintenant, et pour l'éternité. Amen. Amen. Je te laisse là.